Bonsoir à tous, vous regardez la 3, bienvenue dans Tam Tam. Mieux vaut être à Charleroi avec celui qu'on aime qu'à Venise avec celui qui nous ennuie, écrivait jadis la regrettée Françoise Dorin. Ah, ce que les préjugés ont la peau dure. Ce soir, dans Tam Tam, nous vous proposons de rendre hommage à cette vieille et grande dame suppliciée. Mais non, pas Françoise Dorin. À Charleroi, depuis quelques années, jaillissent toute une série de beaux projets d'agriculture urbaine. Cette semaine, on part à la rencontre de ces initiatives qui favorisent le développement de la biodiversité, mais pas seulement. En ville, la population ne cesse d'augmenter. Il est donc de plus en plus crucial de produire en milieu urbain. C'est aussi l'occasion de développer des projets collectifs qui créent du lien entre les habitants, qui permettent aussi de redynamiser des quartiers entiers et même de réinvestir des lieux jusqu'alors désertés. Charleroi, la métropole la plus controversée, mais aussi l'une des plus passionnantes de notre pays, a beaucoup changé ces dernières années et est en train de vivre une véritable renaissance. C'est en partie grâce au projet d'agriculture urbaine que cette ancienne ville industrielle est en train de vivre aujourd'hui sa transition. Transition que nous vous proposons de découvrir ce soir. On regarde. Il y a 10 ans, Charleroi était vraiment au plus bas. Et donc les citoyens, le milieu culturel, etc. se sont mis ensemble pour former de nouveaux projets, pour un peu peut-être pallier au manque de politique et au manque de vision à long terme. Et donc c'est vrai qu'en termes d'agriculture urbaine, ça fait maintenant 5-6 ans que les projets voient vraiment le jour. Bah, certains, c'est pour créer leur emploi, d'autres, ça permet de recréer des liens sociaux. L'agriculture urbaine, c'est tout ce qui va permettre à une ville de pouvoir se nourrir et de devenir autonome. Il y a 2 ans, on a décidé à plusieurs citoyens et associations de se réunir autour de l'agriculture urbaine parce qu'on pensait qu'il y avait de plus en plus de projets mais que tout le monde ne se connaissait pas forcément et surtout que le public n'était pas au courant. On a décidé de lancer la plateforme qui, donc vous l'aurez compris, vise vraiment à rendre les projets visibles. Nous, on pense que c'est hyper important de mettre ces projets en lien parce que finalement, l'alimentation, c'est une chaîne. Et donc, voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse bénéficier des services et des produits de chacun pour former un tout et pour pouvoir vraiment pouvoir un jour rendre Charleroi autonome en alimentation. Charleroi, ville fertile, pour nous c'est un message d'espoir, c'est un message d'avenir, c'est permettre aux gens qui ont des initiatives de pouvoir les mettre en place, c'est permettre aux gens de se rencontrer, de s'inspirer, de s'aider, de co-construire. Alors il y a des projets très différents dans la plateforme, donc on a des projets plutôt de type agriculture, permaculture, etc., jardin partagé, puis des projets d'élevage de nos moutons sur les terrines notamment, aussi des projets un peu différents et innovateurs comme un jeune garçon qui lance son entreprise en élevage d'insectes. Donc sans doute à l'avenir aussi peut-être d'autres formes d'alimentation. Des projets aussi de transformation comme la manufacture urbaine. Bbox, c'est une jeune entreprise de transformation et de production de vers de farine, donc d'insectes comestibles pour la consommation humaine, et j'ai décidé de créer et d'ouvrir une entreprise qui était le plus écologique possible et qui pouvait répondre à un problème de surpopulation d'ici 2050 et de pouvoir produire des protéines dans un monde urbain en région de Charleroi. En 2050, on sera plus de 9 milliards, donc les grandes villes vont encore s'agrandir et la consommation en viande va encore exploser, et les insectes sont une alternative à la viande. Les insectes sont plus protéinés qu'un steak de viande. 10 grammes d'insectes correspond à un beau gros steak de viande. Et l'avantage des insectes, c'est qu'on peut les produire en ville, dans des plus petites structures que les grosses fermes actuellement. Ces insectes, je les élève, donc de l'œuf jusqu'à l'adulte. Et moi, je prends juste le ver que je transforme, donc je cuis d'abord. Après ça, je peux le transformer en ver de farine nature et sec comme mes produits actuellement. Puis j'ai dans l'optique future de faire des produits à base de ver de farine, comme des biscuits, des pâtes, du pain, etc.
La manufacture urbaine, c'est un lieu de production au cœur de la ville de Charleroi. Donc on se trouve dans la ville basse de Charleroi. Le projet a été développé pour vraiment remettre la production d'éléments comme la bière, le pain et le café dans ce cas-ci, au cœur de la ville. Donc Manu les mains et facture production, donc remettre l'homme et sa production au milieu de la ville, avec le plus possible d'éléments venant des fermes environnantes. Le fromage par exemple est affiné avec notre bière, la viande est faite spécialement pour la manufacture urbaine. Et donc tout ça vient de la région, soit avec des agriculteurs locaux, soit avec des bouchers locaux. On arrive à se fournir par exemple en farine pour la boulangerie, en houblon, en malt, en Belgique. Certains éléments, on est obligé d'aller chercher à l'extérieur de la Belgique, comme le café évidemment, il n'y a pas encore de production locale de café. Production locale pour consommation locale, pour que les gens s'approprient aussi le projet et le produit. Par exemple, la bière, les gens ne la boivent pas de la même manière que d'ouvrir une bière de grande marque. Ici, les gens se posent des questions. On est aussi là pour faire des visites, expliquer aux gens pourquoi, comment c'est fait, avec quel procédé, avec quel produit, qui le fabrique aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour nous a de la valeur et qui a de la valeur pour les gens qui la consomment. La manufacture ici est vraiment, a aussi un objectif de remise de la culture au centre de la ville. L'objectif est d'avoir des expositions tournantes qui sont en libre accès, donc les gens peuvent juste venir visiter, regarder les tableaux, boire une petite bière à l'occasion et ce genre de choses. On a des concerts, on a des conférences, des colloques. Il y a vraiment un rôle culturel et social qui pour moi a vraiment un intérêt et un impact dans cette nouvelle ville de Charleroi. Avanti, c'est un centre de réinsertion socio-professionnelle. La plupart des gens qui arrivent ici sont vraiment en rupture par rapport à la société. Le premier objectif d'Avanti, c'est de redonner confiance aux gens, qu'ils puissent trouver une place, trouver des talents, se réinvestir, en tout cas dans une collectivité. Je pense que la formation en permaculture dans le cadre d'Avanti a un impact certain sur la confiance de chaque stagiaire qui passe par ici. Parce que quel que soit son parcours de vie, déjà il va pouvoir retrouver des compétences qu'il va pouvoir mettre au service du groupe. Se sentir utile dans un groupe, c'est déjà très rassurant, je pense. Ça leur permet de s'intégrer dans un réseau, puisqu'on fait appel à des maraîchers pour avoir des réponses à nos questions par rapport au maraîchage. On fait appel à des spécialistes de l'éco-construction pour nous aider dans les travaux d'éco-construction. Et donc l'idée, c'est aussi que les stagiaires puissent produire eux-mêmes de la nourriture saine et puissent profiter de cette nourriture, apprendre à cuisiner à partir de choses qu'ils ont cultivées eux-mêmes, faire des découvertes aussi au niveau culinaire, parce que voilà, y a pas beaucoup de gens qui ont l'habitude de manger les fruits et légumes. Petit à petit, les industries ont fermé les unes après les autres, donc on est face à une population de plus en plus précaire. C'est cette fracture, enfin, cette conjoncture entre les personnes qui sont de plus en plus dans le besoin, de plus en plus dans la précarité, et qui ont besoin de trouver un moyen de se nourrir sainement, et tous ces espaces qui sont de plus en plus abandonnés. Charleroi, on a la chance que c'est une ville qui n'est pas complètement encore saturée, et donc il y a encore pas mal d'espaces qui peuvent être dédiés justement aux initiatives d'agriculture urbaine. Donc ça, c'est un luxe, et donc on doit l'utiliser. Il y a quand même toutes les friches industrielles, etc., qui pourraient totalement être transformées en de nouveaux projets. Bon, en dépolluant les sols, sans doute, hein, donc il y a plein de choses à faire. Charleroi grandit et grâce à ça, ça fait connaître les Carolos dans le monde et on n'est plus les petits rejetons de la Belgique, une petite ville comme ça. On est la ville Charleroi, on est une grande ville, on a plein de bonnes qualités, il y a plein de chouettes choses à faire à Charleroi, il y a plein de bonnes choses à manger à Charleroi, dont les insectes.
donc voilà. J'avais pas mal de préjugés venant de Bruxelles et je découvre une ville qui est en plein mouvement, qui est vraiment, vraiment agréable à vivre. Dans 5-10 ans, Charleroi sera de nouveau hyper dynamique, hyper active et ça se ressent déjà énormément aujourd'hui. Végétaliser un maximum la ville, je pense que c'est la solution pour une ville innovatrice et une nouvelle ville dynamique à Charleroi. Merci. Beau pays de Charleroi, c'est toi que je préfère. Mon plus beau coin de terre, à mes yeux, oui, c'est toi. À la semaine prochaine dans Tam Tam.